Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche à partir de 11h et c'est en direct et avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, trois sujets convoqués au débat. D'abord, la suite des tueries de Solhan le week-end dernier. Le Premier ministre et cinq membres de son gouvernement se sont rendus sur les lieux du massacre, mais cela n'a pas suffi pour calmer la colère des populations qui sont meurtries. Hier, une marche de protestation organisée à Dori dénonce la stratégie sur le terrain qui tarde à porter fruit, notamment le couvre-feu, l'interdiction des engins à deux roues de circuler, l'insuffisance du déploiement militaire. Les populations ne comprennent pas pourquoi ce sont les civils qui sont particulièrement visés. La question qu'on se pose alors, pourquoi l'armée burkinabé peine-t-elle à anticiper les attaques 5 ans après le début des terrorismes au Burkina Faso? Et la question également, Solhan, est-ce la goutte de trop qui fait déborder le vase de la colère des populations au Burkina Faso? Le gouvernement a-t-il réellement les moyens pour stopper cette permanence de la violence djihadiste dans le pays? La stratégie est souvent de s'appuyer sur les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, a porté et a montré un peu de limites. Quelle stratégie adopter alors? Est-ce la bonne? Beaucoup de questions sur ce sujet que nous tenterons de répondre au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, la décision du Conseil supérieur de la communication de suspendre Radio Omega et d'auditionner près d'une dizaine de radios pour diffusion de fausses informations après les tueries de Solhan. N'est-ce pas une diversion si l'on sait que la communication a manqué quelque peu après le massacre de Solhan? D'ailleurs, les organisations de défense de la liberté de presse et les organisations de la presse dans leur ensemble dénoncent cette décision du Conseil supérieur de la communication et relèvent les limites de la communication gouvernementale autour de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. La décision du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso est-elle disproportionnée au regard de la réalité sur le terrain? Quelles conséquences tout cela peut avoir sur la mobilisation de la presse alors que la lutte contre le djihadisme au Burkina est très prégnante? On en débat donc ce matin avec nos invités. Et avec nos invités, troisième sujet, la France qui annonce le retrait de la force Barkhane dans la lutte militaire contre le terrorisme au Sahel. Après 8 ans de présence française, la France avoue-t-elle par cette décision son incapacité à venir à bout des leaders terroristes? Ce retrait va-t-il avoir des conséquences sur l'expansion du terrorisme dans la sous-région, surtout son expansion vers le littoral, notamment des pays comme le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée? Réponse avec nos invités. Et nos invités, ce sont à ma droite Abdoulaye Bari, journaliste indépendant et analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousséni, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Xavier Bellemiegré, rédacteur en chef de Radio Burkina, éditorialiste, analyste politique. Bonjour Xavier. Bonjour Kindo, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à Débat de presse ce matin, Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendré, éditorialiste, analyste politique. Bonjour Inoussa. Bonjour Monsieur Kindo. Et bonjour, merci d'être là pour le débat. Et quatrième invité à Débat de presse ce matin, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal d'investigation Le Reporter, éditorialiste et analyste politique. Bonjour Bourema. Bonjour Fousséni, bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci d'être là pour le débat. On va d'ailleurs commencer avec vous Bourema, notamment la suite de ces tueries de Solhan qui ont fait plus de 130 morts.
On l'a vu, le gouvernement a dépêché le Premier ministre en personne et 5 des membres de son gouvernement pour aller présenter les condoléances du gouvernement, mais aussi essayer d'apaiser et annoncer des mesures fortes, des mesures qu'on attend toujours véritablement de voir. Vous, quelle est l'analyse que vous faites de ce déplacement et des autres développements que cette affaire a pu avoir? On en viendra. Oui, c'est vrai que en pareille situation, on ne peut pas en vouloir à un gouvernement effectivement de faire le déplacement pour aller présenter les condoléances de plusieurs autorités aux familles meurtries de Solan. Cependant, effectivement, on se pose des questions effectivement si l'opportunité de ce déplacement, mais également aussi si le fait que Solan, ils ont plus besoin de forces armées, de forces de défense et de sécurité pour les protéger que des gouvernants qui viennent avec tout un bataillon, des hélicos, et qui disparaissent. Une fois qu'ils sont, ils sont répartis, tous les dispositifs sécuritaires qui étaient là pour les SSO, et en même temps levés. Et les populations se retrouvent encore face à leur peur, face à leur crainte, face à leur détresse. Et on se demande effectivement si ce déplacement n'a pas ajouté de la peur à la peur, parce qu'ils sont venus, ils ont parlé. Certainement que les assaillants ont dû savoir que les gouvernants sont venus. Ils ont eu pour interlocuteur telle ou telle personne. Et en même temps, le dispositif est levé. Est-ce qu'en ce moment, on n'expose pas encore davantage les populations? Est-ce que vraiment on a apporté le réconfort dont les populations en avaient besoin? Ça, j'en doute fort. Mais ce qui se passe, effectivement, ce qui s'est passé à Solan et tout ce qui a suivi, est en réalité un résumé, un condensé de toutes les limites de nos efforts de lutte contre le terrorisme depuis 5 ans. C'est la triste réalité. Ça montre qu'aujourd'hui, jusqu'à 5 ans après les premières attaques terroristes, l'État est totalement incapable et désemparé face effectivement à son devoir de protéger les citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est un fait. Et mieux, ou du moins pire, aujourd'hui, on se demande, est-ce que Solan n'est pas le début d'une tragédie qui guette les populations civiles du Burkina Faso dans cette zone? Parce que, véritablement, le même carnage qui a eu lieu à Solan peut avoir lieu dans n'importe quel autre village ou dans n'importe quelle autre commune de régions touchées par le terrorisme, sans qu'effectivement, on puisse effectivement apporter la réponse nécessaire. Parce que jusqu'aujourd'hui, Solan a apporté la preuve, ou en tout cas a confirmé que aucune attaque en dehors de Ouagadougou, oui, en dehors des attaques de Ouagadougou, depuis 5 ans, les forces de défense et de sécurité n'ont jamais été capables effectivement de venir au secours des populations au cours des attaques. C'est toujours des heures après le départ des assaillants qui débarquent, font le compte de compte macabre, on enterre les cadavres et puis ils plient bagages. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Cette capacité à anticiper les attaques. Exactement. Deux, ce mal de l'armée à pouvoir contenir la violence. Exactement. Ça dit, l'anticipation est plus pardonnable que l'incapacité à intervenir pour protéger les populations au cours pour des attaques qui durent des heures et des heures. Alors qu'on a un détachement militaire à 12 km. Alors que depuis longtemps, on sait qu'on a besoin des forces aériennes pour, au cas où effectivement les routes sont minées et qu'on ne peut pas arriver, qu'on puisse héliporter des combattants. Jusqu'aujourd'hui, et curieusement, c'est au moment où on se rend compte effectivement de cette limite que 5 ans après, on voit un décret qui crée les forces spéciales. Est-ce le médecin après la mort? Est-ce maintenant qu'on se rend compte de l'intérêt effectivement d'avoir ces forces spéciales qui peuvent être déployées en tout temps et sur toute l'étendue du territoire? C'est là toute la question. Et on se demande vraiment, est-ce que nos autorités ont pris conscience effectivement, ont pris toute la mesure de leur responsabilité dans la protection du territoire et des citoyens burkinabés? Abdoulaye Bari. Enfin, Solan, c'est beaucoup d'interrogations, des questionnements de tout le monde, hein, des questionnements légitimes et sans réponse jusque-là. Comment 200 terroristes ont pu venir à moto massacrer une population civile et repartir sans être inquiétés, aller fêter dans un village sans être inquiétés? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi il n'y a pas eu d'intervention? C'est vrai, il évoque la question du détachement qui serait à 12 km. C'est vrai que au plan militaire, ça peut se comprendre. Le détachement est à 12 km. Les routes sont minées. Un détachement, c'est au maximum peut-être 120 personnes.
c'est difficile pour un détachement d'aller à 2 heures du matin si les routes sont minées. Pour une marche normale en tant que militaire, vous avez besoin de 5 km en une heure de temps. Donc, vous êtes à 12 km, vous avez besoin de marcher peut-être avec les mines, peut-être faire 4 heures. Mais il est difficile parce que si vous êtes un détachement, vous êtes à 120 personnes et les terroristes sont à 200. Or, la stratégie militaire, dans la stratégie militaire pour attaquer l'ennemi, il faut être le double de son effectif. Or, on nous dit que les terroristes sont 200. Il est très difficile. Mais cela ne nous dédonne pas de notre responsabilité, comme il a dit, de protéger les civils. L'autre questionnement, comment on n'a pas pu... la France, qui est notre partenaire, il y a des forces spéciales françaises qui sont basées à Ouaga. Comment ces forces n'ont pas été larguées sur place avec les forces spéciales burkinabées, comme elles ont l'habitude de le faire? Comme il y a eu une attaque ici, à Ouaga, il y a eu une collaboration entre les deux forces. Il y a eu les Français qui ont été enlevés vers la frontière du Bénin. Les forces spéciales burkinabées et les forces spéciales françaises ont eu une bonne collaboration. Pourquoi on n'a pas envoyé des forces spéciales sur place? Pourquoi c'est la chasse qui a été envoyée de Niamey pour venir faire la ronde et puis repartir? Pourquoi autant de questions et sans... réponse. Abdoulaye Bari, est-ce que vous avez le sentiment, comme d'autres observateurs, de penser que la zone des trois frontières est finalement abandonnée? C'est évident. Puisque Solan se trouve à peu près... C'est évident que cette partie-là, il y a énormément de territoires, que ce soit du côté malien, que ce soit du côté nigérien ou du côté burkinabé, où l'État n'existe pas depuis des années, malgré la décision de réoccuper ces territoires-là après le sommet de Pau. L'État n'est jamais revenu. C'est vrai qu'on a certaines villes où il y a un détachement, mais l'État n'existe pas. On a des détachements qui sont souvent à 3 km des centres urbains, mais souvent, vous voyez, l'ennemi est organisé de telle sorte que la riposte n'est pas évidente à partir des forces régulières qui sont sur place, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc pour moi, Solan, c'est le tournant le plus grave de l'histoire, de notre histoire dans la lutte contre le terrorisme, avec beaucoup de questionnements et des questionnements sans réponse jusque-là. Oui, Xavier. Mettre le doigt sur la plaie, parce que quand on arrive à une telle ampleur, c'est que quelque chose n'a pas marché quelque part, et puis il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas en vouloir, de mon point de vue, aux forces armées qui sont à Séba et aux fonctionnaires et autres personnels qui sont dans cette zone qui ne peuvent pratiquement rien faire avec ce qu'ils ont. Alors, on a parlé peut-être de l'appui de la France. On parle d'une colonne de 200 personnes qui viennent envahir un village et qui repartent. Bon, je pense que le budget de l'armée a plus ou moins été augmenté. On nous a fait croire depuis pratiquement 2019 jusqu'en 2020. On parle d'une sensible augmentation. Et on a Barkhane et toutes ces unités qui sont censées nous aider dans ce genre de situation. S'il n'y a pas eu d'appui à partir de Ouagadougou, et même après l'attaque, parce que nous sommes à une semaine, je pense que ces 200 personnes ne sont pas quittées du territoire burkinabé. Ils sont quelque part cantonnés dans un village. La riposte devrait au moins se poursuivre après cette attaque. Et jusqu'à présent, et les dernières informations nous disent qu'il y en a même des colonnes qui sont dans le parc W au niveau de l'Est. Qu'est-ce qu'on fait de ces 200 personnes? Est-ce qu'on a peur des droits de l'homme au niveau de l'ONU, ou on a peur de qui, malheureusement? Je pense qu'il faut avoir le courage. Quelqu'un n'a pas fait son travail quelque part. Il faut avoir le courage de sanctionner à ce niveau. On a parlé d'un décret qui fait ressortir ces unités spéciales. Mais apparemment, quand on lit un peu, c'est pratiquement depuis janvier que le décret a été signé. Ça veut dire que ces forces armées spéciales-là opéraient sur le terrain. Et quand vous échangez un peu avec certains militaires, c'est ce qu'ils vous disent. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus profond. Et il ne faut pas en vouloir aux unités cantonnées à Séba ou à Douli. Non, le problème n'est pas tant... Oui, vous aurez la parole. Parce qu'on évoquait un peu le fait que la riposte n'a pas été rapide. Oui, mais c'est toute cette incohérence qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, justement, mais si la riposte n'a pas été rapide, c'est que quelque part, quelqu'un devrait donner l'ordre et l'ordre n'a pas été donné. Oui, Bourima. Cette question... Le problème n'est pas... À quoi ça sert un détachement à Séba si il n'est pas capable, effectivement, d'intervenir? C'est là toute la question. Parce que il faut des moyens, les moyens pour lui permettre. Celui qui l'a envoyé là-bas doit lui doter tous les moyens nécessaires pour faire le travail. Moi, je n'en veux pas aux hommes. Moi, je parle de dispositifs. Et quand on parle de dispositifs,
celui qui a créé le dispositif de CEBA doit avoir, soit c'est celui qui assume la responsabilité du fait que le dispositif n'est pas opérationnel, soit effectivement quelqu'un, en tout cas, a la responsabilité, parce qu'on n'envoie pas, même pour que ces gens soient opérationnels. Si vous les envoyez là-bas et qu'ils ne sont pas opérationnels, ça veut dire que vous les mettez même en danger. C'est ça toute la question. On ne se plaint pas du fait que ceux qui sont à CEBA n'aient pas intervenu. On se plaint qu'on donne l'impression qu'il y a un dispositif qui est à CEBA, qui permet de protéger la zone. Mais en fait, dans les faits, ce dispositif s'est révélé inopérant sur un cas précis comme celui de Solan. Ça, c'est un constat. Voilà. D'accord. Oui, Inou Sawé Drago. Réaction par rapport un peu à cette question, ce dispositif, la stratégie et tout ce qu'on a vécu après le Solan. Tout le monde était dans le moi, mais jusque-là. Oui, effectivement, Solan a sonné tout le monde, y compris ceux qui sont censés nous protéger. C'est le sentiment en tout cas que j'ai. Mais je pense que nous devons dépassionner le débat et nous demander si nos capacités actuelles nous permettent de faire face aux enjeux. On pourra effectivement continuer d'accuser X, Y, Z de n'avoir pas fait son travail, ce qui est normal. Mais à mon avis, la question me semble être plus profonde et me fait croire que la réponse à ce que nous vivons depuis 6 ans n'est pas que militaire. La guerre est géopolitique, elle est économique, elle est géostratégique, elle est même culturelle avant d'être militaire. Et jusque-là, l'arithmétique des morts n'arrive pas à nous sortir de la situation. Chaque jour, les militaires nous disent « voilà le nombre de terroristes que nous avons tués ». Mais malheureusement, on continue de voir que ça ne fait que s'aggraver sur le terrain. Et depuis quelque temps, on a constaté effectivement que les militaires sont moins attaqués. Les camps de police et de gendarmerie sont moins attaqués. C'est les civils qui sont maintenant la cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les terroristes sont passés de l'attaque des cibles fortes vers l'attaque des cibles molles. Quelque part, il y a comme à leur niveau une sorte d'échec. Parce que depuis 2015, c'est ça. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ça, échec, si on sait que pour le terroriste, c'est paradoxal. Le nombre de morts ne compte pas. C'est quand on parle de ce qu'il fait. Et donc ici, est-ce que la stratégie n'est pas forcément peut-être de semer la terreur par la tuerie de masse? Exactement, c'est ce qu'ils font. Et face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu d'apporter l'intelligence collective pour trouver des solutions, on s'accuse mutuellement. C'est comme un voleur qui rentre dans la maison, on n'a pas encore fait sortir le voleur. Mais on demande qui n'a pas fermé la porte pour que le voleur rentre. Inoussa Ouedraogo, hier à la marche à Dori, le représentant des forces vives, de ceux qui ont organisé la marche, a estimé qu'il y a un certain nombre de questionnements qu'ils n'arrivent pas à pouvoir comprendre. D'abord, la zone est sous couvre-feu. Les gens viennent à 2h du matin. Ils massacrent jusqu'à 5h. Deuxièmement, vous prenez des mesures, par exemple, pour interdire les tricycles, les porteurs, etc. Donc, c'est comme si vous créez un couvre-feu dans la journée de fête. Et donc, pratiquement, les populations dans la zone se posent la question de savoir est-ce que, quelque part, quelqu'un est conscient de ce qui se passe. Oui, justement. En fait, c'est ça le problème. C'est ça, effectivement, les populations sont dans leur droit. Vous parlez de remobiliser. Comment on peut remobiliser ce monsieur qui veut mener ses activités dans la journée et on lui dit qu'il ne peut pas circuler en tricycle? Non, il est évident que les réponses qui sont données jusque-là ne sont pas efficaces. C'est de ça que je parle. Quand on dit que personne ne peut circuler, mais finalement, ça veut dire que même le préfet ne pourra pas circuler. Même les FDS ne pourront pas circuler, sauf à avoir des autorisations spéciales. Voilà pourquoi j'ai dit que la guerre est aussi économique. Parce qu'en prenant un certain nombre de décisions, on asphyxie les populations. On a contraint ces populations-là à limiter leur liberté de partir et de revenir. Depuis plusieurs mois, effectivement, il y a des couvre-feux, il y a l'état d'urgence, etc. Mais malgré tout,
il n'y a pratiquement pas de résultats qui satisfassent les populations. Mais cela dit, ce n'est pas un échec. Parce que échouer à une bataille, ce n'est pas échouer à la guerre. Or, aujourd'hui, nous donnons le sentiment que c'est fini. Nous avons échoué à la guerre. Non. Les terroristes prennent des coups, ils en donnent également. Qu'est-ce que nous faisons pour éviter de prendre aussi des coups? Qu'est-ce que nous faisons pour que nos militaires soient encore plus opérants? C'est ça tout le problème. Le débat ne consiste pas à dire nos militaires sont, ils n'ont rien fait, ils sont nuls. Non. J'ai dit si le Burkina est toujours debout, c'est parce que des gens travaillent nuit et jour. C'est parce que des gens ne dorment pas. D'accord. Et c'est parce que les populations aussi sont résilientes. Et il nous appartient, quand nous sommes tapés en tant qu'État. Non, on est obligé. Jusqu'à quand? On n'a pas deux armées. Si on avait deux armées, on aurait remplacé la première armée qui est inopérante par la deuxième. Malheureusement, on n'a qu'une armée. D'accord. Abdoulaye Barry et Bourema Ouédraogo. Enfin, moi, je vais rebondir sur ce que le confrère dit. Et à ce que je sache ici, il n'a jamais été porté un regard négatif sur l'armée nationale qui se bat avec les moyens de bord, avec un ennemi en face qui n'est pas un ennemi classique, qui n'utilise pas les règles de la guerre classique, parce que dire que l'armée n'est pas opérante, ce serait une insulte à l'endroit de ces hommes-là qui défendent des territoires au prix de leur vie. L'humiliation que subit le peuple, peut-être elle est double au niveau des militaires. Je sais de quoi je parle. Il n'y a aucun militaire qui soit fier que voilà, un mètre carré du territoire soit occupé par un territoire. Ça n'existe pas. Ici, lorsque les gens s'interrogent en se posant beaucoup de questions, c'est parce que justement ceux qui sont en droit de nous apporter la réponse claire n'ont pas apporté la réponse. Et il est important, il est même nécessaire pour nous de s'interroger sur ce qui est arrivé. On a 160 personnes selon des sources locales qui ont été tuées, des civils désarmés qui ont été abattus froidement sur un site d'orpaillage. Il est important qu'on s'interroge comment ça a pu arriver. Loin de nous l'idée de dire que l'armée ne fait pas son travail. Elle fait son travail et souvent de façon héroïque dans le silence. L'armée ne communique pas, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites sans que ça ne soit sur la place publique. Mais moi, je dis encore, il est important de se réinterroger sur la stratégie utilisée. Pas forcément le Burkina seulement, mais les pays du Sahel doivent réinterroger la stratégie mise en œuvre. Ça fait 6 ans, on est au combat contre le terrorisme. Plutôt que de reculer, le terrorisme ne fait qu'avancer au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Est-ce que la stratégie elle est adaptée à la menace? Je dis non. Je dis non parce que, vous voyez, le confrère parlait tout de suite des couvre-feux, des mesures qui ont été prises pour faire face à la menace. Il se trouve que ces menaces-là, ces mesures-là, plutôt que de faire reculer le terrorisme, a amené plutôt la paupérisation de la population. Elle n'arrive plus, ça pose désormais des questions économiques. Or, si vous avez des populations qui sont appauvries par les menaces, par les mesures que vous prenez, il est indispensable que vous les poussez plutôt dans la main des terroristes. Quelqu'un qui n'a pas 1000 francs par jour, quelqu'un qui n'a pas 1000 francs pendant 6 mois, il ne sait pas comment manger, parce qu'il ne peut plus mener une activité à cause des mesures restrictives de liberté. Je ne remets pas en cause ces mesures-là. Mais je dis, le constat qui se dégage, c'est que ces mesures-là augmentent la paupérisation. Or, si les populations sont pauvres, il est très facile pour elles de se jeter dans les mains des terroristes qui viennent avec de l'argent facile pour recruter. Donc, il est important. Il ne s'agit pas d'accuser, d'accuser le gouvernement ou d'accuser tel ministre, d'accuser l'armée, non. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan, la stratégie mise en œuvre, pas que nous avons échoué, elle n'a pas permis de faire reculer le terrorisme. Au constat, au contraire, le terrorisme a avancé et Sol 1 est un tournant gravissime dans l'histoire du Burkina qui présage quelque chose de très mauvais parce que, voyez-vous, l'attaque peut être condamnée, elle est condamnable, mais le plus grave,
c'est qu'on attaque, on part festoyer dans un village à quelques 5 km du lieu du crime, sans être inquiété. C'est ce qui est grave et c'est sur ça que nous interpellons aujourd'hui, sur la nécessité de prendre des mesures de telle sorte que si ces criminels-là viennent attaquer le pays, qu'ils ne puissent plus repartir, festoyer dans un village. Bourema. Je pense qu'il y a deux choses. Hein. Il faut faire la part des choses. Moi, je dis et je le maintiens. On ne peut pas avoir un village qui a attaqué. Il y a 130 Burkinabés qui sont morts sans qu'on situe les responsabilités. Quelqu'un est responsable quelque part. Ça, il faut avoir. On ne peut pas ne pas dire qu'il y a des responsabilités à situer. Ça, au moins, c'est parce que quelqu'un, à commencer même par le chef de l'État qui a prêté serment de défendre le territoire et de protéger les Burkinabés. Ça, c'est de sa première responsabilité engagée sur cette affaire. Maintenant, à lui de dire, j'ai chargé des hommes et des femmes de faire ce travail-là et qui n'ont pas été à la hauteur de mes attentes et il prend les dispositions qui s'imposent. C'est là ce qu'on demande. Gouverner aussi, c'est ça, c'est assumer l'entière responsabilité des acquis, mais aussi des insuffisances. C'est ça notre interpellation. On ne peut pas vouloir récolter les lauriers et ne pas vouloir assumer aussi ce qui est mauvais. C'est ça, quand on gouverne, c'est ça, c'est malheureusement ça. Il faut que ceux qui gouvernent ça. Quand c'est bon, c'est eux. Quand c'est mauvais, c'est eux. C'est ça aussi la question. Vraiment, l'inconvénient, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. C'est-à-dire l'inconvénient, c'est de penser aujourd'hui qu'il y a des patriotes convaincus qui soutiennent aveuglément l'État, et même s'il y a faillite. Voilà. Et que de l'autre côté, ceux qui disent qu'il est important de s'interroger sur nos faiblesses là sont des apatrides. Voilà. C'est une erreur gravissime. Lorsque vous êtes élu, et que celui qui a été élu vous est nommé à un poste pour assurer la sécurité, puisque c'est un serment que vous prêtez. Vous prêtez serment que vous devrez assurer au peuple burkinabé la sécurité. Je n'indexe pas le président de la République. Je dis il y a des hommes qui sont chargés d'assurer les mécanismes de sécurité au peuple burkinabé. Lorsqu'il y a faillite, lorsqu'il y a faille, il est important que l'on s'interroge. D'autant plus qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Si il y a des gens qui doivent faire un travail et que ce n'est pas bien fait, parce qu'il s'agit ici quand même de la vie des citoyens burkinabés. Il y a 160 personnes qui ont été massacrées. Ils n'ont rien demandé. Elles sont parties sur un site juste pour avoir de quoi vivre. Il y a des terroristes qui sont venus pour les massacrer. Quand même, il est important qu'on essaie dans une certaine mesure de situer les responsabilités et qu'il y ait des mesures pour corriger l'erreur. Oui, voilà. Bourema a terminé. Parce qu'en fait, le gros problème qu'on a aujourd'hui dans ce pays, c'est que si les questions d'attaque terroriste, si les questions de sécurité, c'est comme si personne n'est responsable. On ne peut pas continuer comme ça depuis 5 ans. Personne n'a jamais accepté, assumé la responsabilité de ce qui se passe. Mais nous avons confié notre vie à des gens. Mais qu'ils assument aussi les conséquences. La deuxième chose, c'est de continuer à faire croire aux Burkinabés que ceux qui critiquent sont effectivement ceux qui n'aiment pas le Burkina Faso, qui sont des apatrides, et ceux qui applaudissent aveuglément, c'est eux les patriotes. Je m'inscris en faux contre cette conception du patriotisme. Je dis, et je le répète, nous avons fait le choix que notre responsabilité, notre travail, c'est de critiquer, c'est de dénoncer. Et nous faisons notre travail. Ceux qui ont fait le travail aussi de nous défendre, ils n'ont qu'à faire le leur. C'est ça qu'on demande. Ceux qui ont décidé qu'ils sont des politiciens, ils veulent gouverner, qu'ils gouvernent et qu'ils assument. Si on ne se met pas dans cette posture, dans ce pays, effectivement, et qu'on arrive à un moment donné où on continue avec les arguments faciles en disant c'est pas la peine de citer des responsabilités, c'est arrivé, c'est Dieu qui a... Non, il faut qu'on sorte de là. Je termine sur un autre point par rapport à cela. Ce que nous disons aujourd'hui est qu'il faut que chacun assume ses propres responsabilités, c'est que ce pays-là, partout où se trouve un citoyen burkinabé, s'il est touché, nous devons, en tant que burkinabé, nous sentir concernés. En disant que ce qui est arrivé là-bas, ce qui est arrivé en tel peut nous arriver en tant que citoyen. Parce que si on sent mieux dans nos conforts, de là où on est, regarde ce qui s'est passé à son là. Malgré tout, quand vous sortez dans les rues de Ouagadougou, passer le mois, les gens se retrouvent à festoyer comme si de rien n'était. Tout ça aussi, il faut qu'on instaure un minimum de discipline aussi dans ce pays pour que les gens comprennent. Il y a des limites
Et il y a des choses sérieuses qui se passent. Et quand ça se passe, on doit sentir qu'il y a des citoyens dans ce pays qui sont interpellés par la condition de leurs concitoyens sur une partie du territoire national. Alors, oui, bon, Xavier, et ensuite Inoussa. Oui, je voulais juste dire que, en fait, ils n'ont pas, du moins, contredit l'esprit que Inoussa a voulu développer. C'est juste pour dire que ces querelles, ces critiques, ces observations nous font passer de l'essentiel parce que la lutte est holistique. Les causes sont assez profondes et lorsque on met l'accent sur les observations, sur les dénonciations et autres, on se passe de l'essentiel. Alors qu'on devrait beaucoup plus se concentrer sur les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire après cette attaque? C'est peut-être ça qu'il nous a voulu dire, c'est ce que je voulais juste apporter. Oui, voilà. Sinon, dans le fond, il n'est pas, il ne dit pas le contraire. D'accord, okay. Tout à fait. Il n'y a aucune action sur ce terrain. Et cela est arrivé, j'ai dit, tout le monde est sonné, tout le monde est déchiré. Mais nous devons aller au-delà. Les questions sont plus importantes à la limite que les réponses. Donc nous nous interrogeons. Et c'est ça qui est normal. Mais je dis, l'État, on peut perdre des guerres et des batailles, pardon. Mais la guerre, nous sommes obligés de la gagner. Parce que gagner la guerre, c'est faire en sorte que le Burkina continue de demeurer. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis, tous les citoyens sont, bien sûr, interpellés. Ouais, les critiques aussi font partie. Absolument. Personne ne nie cela. Mais si on ne critique pas, on est mort. Ouais. Nous devons critiquer, nous devons interpeller. Et nous devons aussi, surtout, situer les responsabilités. Moi, je me demande pourquoi, par exemple, Solan arrive et 2-3 jours après que le gouvernement s'y rend. On peut me parler des questions sécuritaires, mais je dis non. J'ai dit, j'aurais été dirigeant que je n'aurais pas passé quelques heures à Solan et puis revenir à Ouagadougou. Je serais resté auprès des populations, j'aurais même passé la nuit auprès d'eux et le lendemain auprès d'eux pour dire nous sommes avec vous. Et j'ai dit, dans cette guerre, il faut impliquer les populations. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un malgré lui. Et j'ai dit, les populations rurales, celles qui vivent de plein fouet les attaques, doivent être impliquées dans la lutte. Ils doivent donner leur point de vue. Et ils doivent être en mesure d'être consultés par nos dirigeants. Parce qu'ils savent des choses. Ils connaissent le terrain. D'accord. Oui, Barry, un mot un peu sur aussi cette réaction de la population. Hier, on l'a vu dans les rues de Dori, des populations du Sahel qui sont venues dire, bon, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Il y a des gens qui sont commis à la défense de la patrie, à pouvoir assurer notre sécurité. Mais en même temps aussi, on prend un certain nombre de mesures liberticides, parfois qui limitent nos agissements sur le terrain et qui nous appauvrissent, comme vous le dites. Est-ce que vous comprenez ces populations? Oui, absolument, parce que les populations en train de vivre les conséquences des mesures. Mais il faut nuancer. Le gouvernement ne prend pas les mesures pour appauvrir la population. Le gouvernement prend ces mesures-là, bon, je ne vais pas dire le gouvernement, voilà, ceux qui ont en charge d'assurer la sécurité, au regard des éléments d'information qu'ils ont sur le terrain, ils estiment qu'il faut limiter la circulation des motos parce que ces motos-là servent donc à alimenter les attaques. Mais fondamentalement, ce n'est pas une mesure qui vise à appauvrir les populations. Mais il y a que la conséquence de ces mesures-là, elles appauvrissent donc la population. Maintenant, c'est normal que la population interpelle. Et il est normal aussi que ceux qui ont en charge de diriger le pays-là fassent quelque chose. Non, d'autant plus on prend par exemple Yaya Diallo, le porte-parole de la marche, qui disait hier une chose que j'ai retenue. Il dit que c'est en plein couvre-feu. Or, s'il n'y avait pas de couvre-feu, les gens étaient là. Et puis, si c'est dans la journée où il n'y a pas de couvre-feu, au moins quelqu'un a vu venir quelque chose
et ils ne se seraient pas laissés surprendre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la population est en train ici de dénoncer les limites de ces mesures-là qui n'ont pas servi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire reculer le terrorisme. Je vais vous donner des éléments importants ici. Vous savez, ces populations, aujourd'hui, on a la démocratisation de l'information. C'est-à-dire qu'elles ont accès à l'information. Elles ont vu qu'à Ogossagou, au Mali, lorsqu'il y a eu une attaque contre la communauté, la population civile, le président de la République s'est rendu sur place et il a changé tout le commandement militaire et civil. La hiérarchie militaire et civile a été changée lorsqu'il y a eu Ogossagou au Mali. Lorsqu'il y a eu l'attaque d'Inates au Niger, il y a eu des changements. Lorsqu'il y a eu l'attaque de Boma qui a fait, je pense, 97 morts au Tchad, le président Idriss Déby s'est rendu sur place et n'est rentré que lorsque son armée a réduit à néant les terroristes qui sont venus donc attaquer la population civile. Or, ici, à part le déplacement du Premier ministre qui dit « bon, on va corriger l'incurie », la population, en tout cas, dont nous faisons partie, n'a pas le sentiment que demain, il y a des mesures fortes qui seront prises. Il ne revient pas à la population ou à nous autres de dire « voilà, le gouvernement doit faire ça et chasser ceci ». Mais il est important aujourd'hui de dire que ce qui est arrivé à Solhan ne doit pas rester impuni. Il n'est pas admissible que des gens viennent, 200 personnes à moto, tuer des populations civiles, repartir, fêter à quelques kilomètres d'un village sans être inquiétés. Et l'on veut nous dire que nous n'avons pas le droit de demander qu'il y ait une certaine clarification, que certaines personnes puissent rendre compte parce qu'elles ont failli quant à leur devoir d'assurer la sécurité aux populations civiles. D'accord. On va, oui, Bourema, 30 secondes avant qu'on passe au second sujet. D'extrêmement. Il faut qu'on en tienne compte. Sous couvre-feu, quand on instaure un couvre-feu, ça veut dire effectivement que personne d'autre ne doit s'y créer. Et ça peut permettre aux forces armées d'avoir la latitude de pouvoir appréhender ceux qui, effectivement, les groupes terroristes qui pourraient effectivement circuler à 16 heures. Or, c'est pendant 16 heures que les gens sont attaqués et il n'y a rien. Donc on se pose des questions. Quelle est l'efficacité d'une mesure qui soit censée nous protéger quand ça ne profite qu'aux terroristes? Et ça appauvrit la population. Donc c'est ça toute la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a accompagné ces mesures de dispositifs réels pour protéger les populations? On est en droit de s'interroger. C'est que vous appelez souvent le service après-vente. Exactement. Oui. Question légitime. Oui. Parce que dans la région de l'Est aussi, on a vu un peu les populations qui sont sorties, je crois que c'est dans la commune de Namounou, aussi qui ont manifesté leur mécontentement par rapport à ces mesures prises par le gouverneur de la région de l'Est qui interdit la circulation de certains engins. Bon, c'est pour montrer un peu l'inefficacité de certaines mesures et que peut-être le gouvernement doit beaucoup réfléchir pour... Oui, on va aller rapidement au second sujet. Inoussa Ouédraogo, cette déclaration des organisations professionnelles des médias, après la décision du Conseil supérieur de la communication du Burkina de suspendre Radio Omega pour diffusion de fausses informations, mais aussi après avoir auditionné un certain nombre de médias sur leur couverture de tuerie de Solhan. Et au niveau des organisations professionnelles des médias, c'est comme une sorte de diversion et que quelque part, si on y prend garde, ça va avoir des conséquences sur la mobilisation de la presse dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est votre avis? Absolument. Je pense que pour ce qui concerne l'affaire de la suspension d'une radio comme Omega notamment, on a pu voir que le média lui-même a été le premier à faire preuve de contrition. Faire amende honorable en suspendant le rédacteur en chef. En suspendant le rédacteur en chef, en retirant l'information en question qui n'était pas juste, en reconnaissant son erreur et en présentant ses excuses donc à ses lecteurs, à ses auditeurs, ses téléspectateurs et ses lecteurs. De Facebook. Voilà. Mais après tout ça, le CSC intervient, il tape sur Omega, en laissant les autres, bien sûr, dont la RTB. Propos ne consiste pas à dire qu'il fallait taper tous ces médias. Mais notre propos consiste à dire qu'on n'avait pas besoin d'en arriver à la suspension de Omega. C'est excessif. L'erreur qui a été commise est grave, mais la décision qui a été rendue par le CSC est disproportionnée. Et effectivement, à un moment donné, ça a donné le sentiment dans le débat qu'on ne parlait plus de Solhan,
on ne situait plus les responsabilités sur Solhan. Le procureur lui-même, je n'ai pas vu qu'il s'est saisi de cette question. Et puis tout de suite, on est passé à Omega. Donc on a eu le sentiment que, mais c'est sur les médias finalement qu'on s'est débiné, acharné pour montrer que ce sont les médias qui ne font pas leur travail. Oui, en tant que médias, nous commettons des erreurs. Comme je l'ai dit, les médecins tous les jours commettent des erreurs et il y a mort d'homme. Des chauffeurs commettent des erreurs et il y a des accidents. Des militaires commettent des erreurs et il y a des carnages comme on l'a vu à Solhan. Des journalistes aussi commettent des erreurs. Il faut sanctionner, oui, mais il faut sanctionner dans la mesure. Or, j'ai le sentiment qu'on a pris une calache pour écraser un moustique. Bourima Ouedraogo. Oui, tout à fait. Si le cas de la en fait, la question, ce qui fait mal, ce qui interroge réellement si les visées du CSC par rapport à cette sanction, c'est le fait d'ailleurs que on est sanctionné le seul média qui ait fait amende honorable, qui ait pris des sanctions internes par rapport à la faute commise. Et que les autres, on dit qu'on les a auditionnés. Mais franchement, si cette mesure-là, d'abord si le plan éthique, si le plan même de l'équité, on sent que c'est une mesure inéquitable. Entre plusieurs médias, on a choisi un, on l'a sanctionné alors qu'ils ont diffusé la même information et dans les mêmes conditions. Deuxième chose, on nous dit que c'est une faute grave et qu'il faut sanctionner. Si la faute est grave, elle l'est autant pour Omega que pour les autres. Pourquoi c'est Omega seul qu'on suspend et qu'on auditionne les autres, même si on en sanctionne les autres par après? Est-ce que ce serait pas... Rien ne peut nous empêcher de dire on l'a fait pour rattraper l'erreur qu'on a commise avec Omega. Sinon, on aurait auditionné tout le monde en même temps. Et après avoir auditionné tout le monde, on en tire toutes les conséquences. Et moi, l'autre chose que je ne comprends pas au niveau du CSC, c'est que, en fait, les sources d'information, on a un problème d'accès à l'information relative aux questions d'attaques terroristes au Burkina Faso. Et quand on regarde la faute commise par la plupart des médias, c'est surtout, effectivement, que les gens se sont adressés à une source que tout le monde pensait être crédible. Quand même, quand vous avez affaire au maire adjoint d'une commune qui donne une information, vous ne pouvez pas dire effectivement qu'il n'est pas crédible. Ça, c'est un minimum. Deuxième chose, qu'est-ce que le CSC fait pour amener effectivement aussi bien le gouvernement, aussi bien l'armée, effectivement, à avoir un minimum de communication autour de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Absolument rien. Donc si on n'aide pas les médias effectivement à assurer une bonne couverture, un bon accès des citoyens à l'information en ces périodes troubles, il faut avoir au moins le minimum, il faut avoir l'humilité de ne pas effectivement créer d'autres problèmes. Or le CSC, vraiment sur ce coup-là, a montré effectivement qu'il est insensible à toutes les difficultés que les médias rencontrent dans le traitement des questions liées au terrorisme au Burkina Faso. Et ça, c'est extrêmement impardonnable. Xavier. Oui, en fait, je suis un peu gêné parce que c'est difficile quand même d'avoir du recul, vraiment d'être indépendant dans l'analyse de cette position du CSC. Mais je suis d'accord avec les autres confrères que le gendarme a eu la main très lourde pour notre confrère de Omega par rapport à ce qui s'est passé. Il a dit on aurait dû peut-être auditionner tout le monde et en fonction du contenu de ce que chacun a dit, qu'on prenne la mesure. Il a dit, on a des soucis pour avoir les sources d'information. Quelque chose peut se passer, même au niveau du gouvernement, vous allez appeler, on ne va rien vous dire. Alors que peut-être quelque chose s'est passé. Pour le cas, par exemple, de Solhan, je crois que le communiqué officiel est arrivé autour de 14h15. Oui, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vais dire, par rapport à la fausse information qui a été diffusée, il y a eu des événements qui se sont passés et même il y a eu peut-être des informations erronées que le CSC n'a pas tapées. Cette fois-ci, c'était assez grave. Selon eux, ils ont décidé de taper. Je pense que la décision a été forte. C'est quand même suspendre un média pour 5 jours. C'est quand même assez lourd économiquement et tout ce qu'on sait. La solution aurait été peut-être d'auditionner tout le monde, d'entendre chacun en fonction du contenu de chacun et peut-être sortir la mesure. Mais il faut aussi retenir ici qu'il y a eu au moins une faute. Voilà, il fallait sanctionner. Peut-être, c'est non, les organisations professionnelles des médias ne nient pas.
qui a eu faute. Et Inoussa l'a dit sur ce plateau. Exactement. Mais ils estiment que la mesure est disproportionnée. Même, oui, même et comme la radio elle-même a reconnu qu'il y a faute. C'est là où ça pose problème. Elle reconnaît qu'il y a faute, elle prend des mesures conservatoires au niveau interne déjà. Et qu'est-ce que c'est cette radio qu'on sanctionne avant de commencer à auditionner les autres? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on recherche. Ou bien on cherchait Omega depuis longtemps et on a eu l'occasion, on leur a tapé dessus. On ne conteste pas effectivement qu'il y ait eu des erreurs, tout comme les autres ont commis des erreurs. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en la matière et dans cette situation, le CSC doit plus aider les médias que de leur créer des problèmes. Or, c'est ce que le CSC a fait avec la sanction avec Omega. Barry. Enfin, en tant que journaliste, voyez-vous, je serai le dernier à soutenir une telle action. En l'espèce, y a-t-il eu faute professionnelle? Oui. Il y a eu une faute professionnelle grave. Y a-t-il eu sanction, comme il l'a dit, de la part de la Radio Omega? Oui. Radio Omega a décidé, en toute responsabilité, de mettre un terme aux fonctions du rédacteur en chef. Ce que les internautes, par exemple, ont jugé de sentence maximale, pour eux, bon, tout le monde se trompe. Mais le fait de le faire, ça veut dire qu'on est en face d'un média conscient de sa responsabilité et que s'il y a une faute, il faut sanctionner. Dès lors, même si on s'est retrouvé en matière pénale, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes en droit. Donc pour revenir à la mesure, et deuxième élément important, le rédacteur en chef, avant même d'apprendre sa suspension, au regard de la gravité de l'erreur commise, est tombé dans le coma, il a été évacué à l'hôpital. Imaginez-vous un seul instant dans ce Burkina, sur cette terre de 274 000 km², si chacun de nous, lorsqu'il venait à faillir dans son devoir au quotidien, devrait tomber dans le coma. Ça veut dire que le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne, devrait donc ouvrir la MACO pour mettre des lits là-bas parce que bon, il y aura beaucoup de personnes qui seront dans le coma. Donc ça prouve ici la responsabilité et la conscience professionnelle d'un journaliste qui tombe dans un coma parce qu'il a donné une mauvaise information. Dès lors, à mon avis, on devrait avoir des circonstances atténuantes pour réduire un peu la peine donc, qui a été infligée à Omega. Mais les interprétations de cette décision, et on va dire même la dimension politique, c'est-à-dire aujourd'hui, on a vu dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, la communication qui a été faite autour de cette mesure du CSC nous fait croire qu'il y a un guise sur roi. C'est comme si, je n'accuse pas le CSC, hein, je sais qu'au CSC, on a des hommes de valeur, mais c'est dit qu'aujourd'hui, le CSC doit porter aujourd'hui la responsabilité d'être le sorcier alors que les gens sont en train de faire leur querelle politique. Regardez, moi j'ai suivi Alexis Konkobo, donc le conseiller au CSC, un éminent confrère, donc j'ai toujours apprécié pour la qualité de son travail. Il dit effectivement, nous avons interpellé plusieurs fois Radio Omega et nous l'avons défendu. C'est très bien en tant que journaliste. Oui, mais il ajoute mais il ajoute, mais on ne va pas continuer de caresser Omega dans le sens du poil et laisser ce média continuer à diffuser des fausses informations. Non, ce qui caractérise Omega, ce n'est pas la diffusion des fausses informations. Si vous dites qu'on ne va pas laisser le média à continuer de diffuser les fausses informations, c'est comme si ce qui transparaît en première vue, ce Omega, c'est la diffusion de fausses informations. Non. Il y a des questions politiques aussi où certains ont dû accuser Omega d'être une radio d'opposition. Mais moi, je vais rappeler une chose. Omega a connu un redressement fiscal parce que Omega s'est ligué, bon, entre guillemets, contre, comment vous appelez ça, les fonds communs, à un moment où on a estimé que Omega avait fait le combat du gouvernement, Omega a été fermé. Mais ici, ce qui se dégage au niveau de l'opinion, c'est comme si certains disaient, bon, Omega est devenue une radio de l'opposition, elle empêche de tourner. Non, Omega a fait son travail, c'est un média qui est animé par des humains,
qui donc a le droit de commettre une erreur. Mais des commettre, professionnels de surcroît. Oui, commettre une erreur n'est pas grave parce qu'en tant qu'humain, nous ne pouvons pas nous empêcher de commettre des erreurs. Mais persister dans l'erreur, c'est ce qui est grave. Le média a reconnu donc son erreur et mieux a suspendu ou mis un terme aux fonctions de son rédacteur en chef. Pour moi, dès lors, dans ce contexte de fragilité sociale, il devrait donc bénéficier des circonstances atténuantes parce que même si on était en matière pénale, on allait bénéficier des circonstances atténuantes. Oui, dis-nous ça, vraiment 30 secondes pour qu'on passe au dernier sujet. Je voulais dire aussi que ça pose un véritable problème. Quand les sources se ferment au niveau officiel, nous allons toujours nous retourner vers des sources officieuses. Et ça aura pour conséquence fâcheuse ce genre d'erreur. Regardez un peu. Ici, les journalistes se sont mis un peu. Ils ont pris des garde-fous. Ils ont dit selon des sources locales. Mmh. Jusque-là. Ils ont dit des sources locales. Le procureur ne s'est pas adressé aux médias. Jusque-là, le ministère de la Défense n'a pas expliqué aux médias ce qui se passe. Jusque-là, le chef d'état-major général des armées n'a pas expliqué face aux médias ce qui s'est passé. Jusque-là, le porte-parole du gouvernement n'a pas convoqué les médias pour dire « voici les justes informations ». Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va se retourner vers ceux qui sont sur le terrain. On va certainement commettre des erreurs, mais on continuera d'informer nos lecteurs, nos téléspectateurs et nos auditeurs. D'accord. Bourima, on va passer au dernier sujet. Emmanuel Macron qui acte la fin prochaine de l'opération Barkhane, quelles conséquences ça peut avoir sur la lutte contre le terrorisme au Sahel? Est-ce que, quelque part, faut-il s'inquiéter de ce retrait? Non, je crois qu'il n'a pas dit qu'il se retire. Il met fin, effectivement, la France met fin à l'opération Barkhane. Et mieux, ils ont dit, en fait, il y aura une transformation de la forme, de la présence de la France dans le Sahel. Ça veut dire que la France ne part pas d'Israël. La France reste, mais sous une autre forme. Maintenant, on attend effectivement de voir comment prendra cette forme. Est-ce que ce sera sous forme de coopération militaire? Est-ce que ce sera sous forme d'appui bilatéral au niveau des pays? C'est là qu'on attend de voir effectivement ce qui va se passer. Mais en fait, je crois que cette décision-là intervient après plusieurs séries d'interpellations de la France sur sa responsabilité dans ce qui se passe. Même si seul un... Hein, on a entendu effectivement que la France n'a pas collaboré, la France n'a pas joué les jeux, la France n'a pas fait ci. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on sorte de cette logique où nous avons, nous pays sahéliens, nous populations du Sahel, tendance à sous-traiter notre sécurité à la France. Ce n'est pas à la France d'assurer notre sécurité. C'est à nos États d'assurer notre sécurité. Maintenant, si nos États vont effectivement discuter avec signer des partenariats avec la France, sous quelque forme que ce soit, pour renforcer notre protection, ça relève toujours de la responsabilité des États. Maintenant, que la France décide de partir, moi je crois même que si c'était un retrait pour moi-même, c'était une opportunité pour nous mettre face à nos responsabilités. Peut-être qu'on va souffrir, mais il faut qu'à la fin, on se rende compte au niveau de nos États qu'il faut que nous investissions humainement, techniquement, financièrement, sur les questions sécuritaires, parce que c'est devenu aujourd'hui l'un des plus gros enjeux pour nos territoires. Si on n'a pas la sécurité, tout ce qu'on fait ne servira à rien, parce qu'on ne peut pas construire, on ne peut faire aucun développement. On ne peut construire quoi que ce soit, tant qu'on n'a pas assuré effectivement le minimum sécuritaire pour permettre aux gens de dormir et de se réveiller tranquille, d'aller et venir et de pouvoir vaquer à leurs occupations. Oui, Barry, est-ce que l'heure a sonné pour certainement le retrait des troupes françaises au Sahel, même si Bourima tente de vouloir arrondir les armes? Au regard de la réalité du terrain, la France doit-elle partir? Non, mais... est-ce que la France doit rester encore? Moi, à la place du président Emmanuel Macron, je serais parti avec la dernière Kalachnikov. Je ne laisserai aucun soldat français mourir sur le sol sahélien. Non. Pourquoi? Nos États ont fait appel à la France. Elle n'est pas venue d'elle-même. Il faut sortir de cette émotion, de ces fantasmes militantes-là et dire que nos États incapables ont appelé la France et ont signé des accords de défense. Pour que la France vienne donc nous aider 60 ans après notre indépendance à nous débarrasser d'un ennemi, ce qui traduit dès lors nous-mêmes notre faillite, notre incapacité à assurer notre sécurité. Pourquoi la France, vous l'appelez,
et on a encore, on continue d'insulter la France au quotidien d'être un État impérialiste. Si elle l'est, elle doit partir avec tous ses bagages. Pourquoi ? Pourquoi la France doit-elle rester encore si c'est un pays impérialiste ? Pour moi, Emmanuel Macron doit partir avec tout ce qu'il y a comme bagage ici. Mais pourquoi doit-il partir ? Il y a des raisons politiques, bien évidemment. Les raisons politiques, la France, l'année prochaine, Emmanuel Macron va aux élections. On voit que l'opération Barkhane, la lutte contre le terrorisme, finalement, c'est un échec. Le terrorisme n'a pas reculé. 6 ans après, le terrorisme n'a fait qu'avancer. Il n'y a pas de raison de continuer à laisser des soldats français mourir sur le sol au Sahel. Des raisons économiques, je l'ai dit ici sur ce plateau, par jour, il y a au moins 2 millions d'euros. L'opération Barkhane coûte 2 millions d'euros aux contribuables français. Pourquoi continuer à financer autant l'opération Barkhane alors qu'il n'y a pas de résultat? Il y a aussi des raisons stratégiques. Ces raisons stratégiques, c'est que le tout militaire, le tout sécuritaire au Sahel n'a fait qu'aggraver la situation. Il n'y a pas de résultat. On s'est engagé sur un deuxième pilier, celui du développement, c'est-à-dire investir davantage dans les secteurs prioritaires de développement pour faire en sorte qu'à partir du développement, on puisse réduire le terrorisme. Mais on ne peut pas le faire parce que nos pays n'arrivent pas à réoccuper les territoires qui ont été libérés grâce à une synergie d'action entre nos militaires et les forces françaises. Dès lors, il faut partir parce que sans le développement, le territoire, le terrorisme ne va pas reculer. Il y a des raisons diplomatiques. Ces raisons diplomatiques, c'est que non seulement le terrorisme n'a pas reculé, la démocratie dans cet espace a pris un coup, le cas du Tchad est là, le cas du Mali est là. Comment la France, qui est en train de mobiliser la communauté internationale, va s'asseoir devant ces pays donc respectueux des principes démocratiques, leur demander de venir aider à lutter contre le terrorisme dans des pays où la démocratie, au lieu d'avancer, ne fait que reculer tous les jours. Donc pour moi, de façon réaliste, la France doit partir, et à mon avis, elle doit partir avec la dernière Kalachnikov. Mais malheureusement, on va dire qu'elle ne part pas complètement. Il y a que des effectifs au niveau du Mali vont être diminués, au niveau du Tchad, les effectifs vont être diminués, au Burkina, la force, l'opération SAB ne va pas diminuer. Donc, on aura plutôt désormais des opérations à partenariat avec les forces spéciales, notamment dans le cadre de Takuba, cette opération, où, par exemple, les forces spéciales burkinabé, en partenariat avec les forces spéciales françaises et de la communauté internationale, vont mener des opérations sans une présence de Barkhane comme étant une base au Sahel. Oui, Xavier. Je suis un peu inquiet parce que je ne suis pas sûr que la France va véritablement partir, parce que au-delà de tous ces djihadistes qu'on combat là, c'est des intérêts économiques de la France aussi que la France défend au niveau du Sahara. L'uranium nigérien est défendu par les soldats français. Il faut avoir le courage de le dire. Même au Burkina, il y a des intérêts français que les militaires sont là pour défendre. Ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. Il y a ces réalités-là aussi qui sont là. La force Barkhane, là, elle est prioritairement au Mali avec beaucoup plus d'hommes, mais elle a des béquilles au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des terroristes en Côte d'Ivoire et au Sénégal? Mais c'est des ramifications de la force Barkhane. Donc c'est pour dire qu'au regard des intérêts français au niveau du Sahara, la France ne va pas partir. C'est du coup sous pourrière qu'on nous sert. Oui, dis-nous ça. Je suis pas d'accord du tout avec le développement de Bari, parce que la France d'ailleurs n'est jamais partie. Depuis qu'elle a mis pied ici avant la colonisation, elle n'est plus repartie. Elle a toujours été là. La France a toujours été au Sahel. Oui, à un moment donné, face aux difficultés, des autorités maliennes notamment ont fait appel à la France pour les aider face à la lutte contre le terrorisme, face à l'avancée notamment des groupes terroristes vers Bamako. Oui, mais la France n'est pas là pour les beaux yeux des Africains. La France ne met pas 2000... Où c'est 2 millions, on dit que, en fait, l'opération Barkhane est la plus coûteuse. Ouais. Selon certaines sources, l'opération Barkhane est la plus coûteuse après la Seconde Guerre mondiale. Mais pour l'armée française. Pourquoi tout ça? Parce qu'ils nous aiment. Oui, il y a un retour sur l'investissement. Non, mais il faut qu'on aille. Non, aujourd'hui. Oui, il termine son développement d'abord. Aujourd'hui, il y a clairement un sentiment. Je dirais pas un sentiment anti-français, un sentiment anti-présence militaire française. Nous ne sommes pas contre les Français. Nous disons que, jusque-là, nous avons le sentiment que c'est une guerre impérialiste qui nous est imposée. Et nous ne voyons pas clairement les positions
défendu par la France ici. Et que ça, ce sont les populations qui le disent. Et que nous avons besoin que nous-mêmes, nous nous assumions. Ok. Ok. Très bien. Je réagis donc à ce que le confrère a dit. Moi, on va demander à la régie de nous ajouter juste 5 minutes. Oui, 5 minutes parce que le sujet est important. Voilà, sur ce sujet, alors, elle est importante. Il est important de clarifier, comme on a eu une clarification à Pau. Moi, je serai peut-être le dernier à défendre donc la France. Je ne suis pas pour une présence française, de quelque nature que ce soit, sur notre propre sol. C'est dit, 60 ans après l'indépendance, c'est dit, avoir une autre armée sur son territoire pour vous aider à vous défendre, c'est la plus grande honte. D'où que cette armée vienne. Notre souveraineté, le premier symbole de la souveraineté de notre État, c'est la capacité d'avoir une armée à défendre notre territoire. Mais je dis bien, la France est là parce que ceux que nous avons élus ont été incapables de nous assurer la sécurité. Quand je dis nous, je parle de l'Afrique. Partout, il y a des forces françaises. Au lieu donc, à mon avis, de s'attaquer à la France, d'être là pour nous aider à nous défendre, non, demandons des comptes à ceux que nous avons élus et dont la mission est d'assurer la sécurité et la défense du territoire national. Donc, dès lors, il ne faut pas détourner le débat. Cette ligne de défense qui consiste tous les jours à mobiliser, à accuser la France d'être à l'origine de notre misère, à mon avis, elle nous détourne des vrais enjeux. À qui devons-nous demander des comptes? À ceux que nous avons élus. C'est eux qui ont... Non, on n'a pas le droit de demander... Non, 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 on n'a pas le droit de demander les comptes à un président français que nous n'avons pas élu. Nous avons élu des dirigeants qui n'ont pas été capables d'assurer notre propre sécurité. Le minimum pour un dirigeant, c'est de nous assurer la sécurité. Ils ont appelé la France pour venir les aider. Dès lors qu'il y a faillite, il faut condamner les dirigeants qui les ont appelés. On n'a pas à s'en prendre à la France. La France défend ses intérêts. C'est normal. Moi, je serais un pays comme le Burkina ou le Mali. Si j'ai la capacité d'occuper un pays pour défendre mes intérêts stratégiques et aider mon pays, je vais le faire. Ce n'est pas à la France qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre aux dirigeants qui n'ont pas été capables de nous assurer la sécurité. Bourima Ouédraogo. Je vient de dire. Moi, ça me fait rire quand les gens disent que la France est là pour défendre ses intérêts. Personne ne dit le contraire. Mais la France doit défendre ses intérêts partout où besoin est. C'est ça l'État. C'est ça aussi la responsabilité aussi quand on est un chef d'État, quand on est un gouvernement. Si les dirigeants français se rendent compte que si le territoire français ne peut pas avoir tout le nécessaire pour assurer au peuple français tout le confort dont il a besoin et qu'il peut aller chercher ce confort ailleurs, alhamdoulilah, pourquoi il ne le ferait pas? Moi, je suis aujourd'hui dirigeant burkinabé et que j'ai la possibilité d'aller occuper la France pour défendre les intérêts du peuple burkinabé. Si je ne le fais pas, le peuple burkinabé doit me demander des comptes. C'est là notre responsabilité aussi quand on aspire à gouverner. C'est ça notre responsabilité quand on est citoyen. À un moment donné aussi, de ne pas se tromper de combat. De dire que mon problème, c'est les autres. Mon problème, ce n'est pas seulement parce que les autres sont là. C'est parce que nous, nous n'avons pas été capables, effectivement, d'assumer notre responsabilité par rapport à notre territoire, que les autres sont là. Aujourd'hui, même quand on parle de l'armée, c'est vrai, on oublie des choses. Est-ce que chacun de nous, où que nous nous trouvons, indépendamment, même le travail qu'on doit faire, est-ce qu'on le fait normalement au service du peuple burkinabé? C'est là toutes les questions. Donc si on s'assoit aujourd'hui en disant oui, les Français sont là pour leurs intérêts, oui, ils sont là pour leurs intérêts. Personne ne dit le contraire. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, si je termine. La question de c'est comme Barry l'a dit, les Français, c'est comme Younousa l'a dit, ils ne sont jamais partis. Ils sont venus coloniser. Ils ne seraient même pas dans l'intérêt de la France de partir des pays colonisés. Ça aussi, au moins, c'est une réalité. Les Français peuvent souffrir qu'on leur dise ça. Mais moi, mon problème, ce n'est pas le fait qu'on le dise. C'est le fait qu'on le dit depuis 1960 et qu'on ne fait rien pour effectivement faire en sorte que les Français ne puissent continuer pas à couper. Il y a même l'enjeu essentiel. Depuis 1960, nous sommes des pays indépendants. Voilà des gens qui ont été à l'école, qui ont été à de bonnes écoles, comme les Français, et qui viennent s'asseoir sur des plateaux pour nous dire que notre misère, là, c'est la France. Qui sommes-nous? Je termine. Qui sommes-nous pour que la France vienne investir 2 millions d'euros par jour sans avoir ses propres intérêts? En 1962, le président Modibo
Boko État du Mali, a chassé la France du Mali et mis Tessalit sous embargo parce qu'il y a eu une rébellion. Il avait son armée, il a défendu son pays. Sous Sankara, on a donné un certain espoir d'indépendance et de souveraineté au peuple burkinabé. Cet espoir a été assassiné. Aujourd'hui, 60 ans après notre indépendance, notre misère, ce n'est pas la France. Notre misère, c'est le délire des dirigeants qui ne sont pas à même de nous assurer la sécurité et c'est de ne pas être dans une dynamique de construction de l'Afrique. Nous sommes là depuis 1960 à situer les responsabilités, à dire que la France est à l'origine de notre misère. 60 ans après encore, nous serons là à prononcer le même discours et l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. Oui, il nous a pour terminer parce qu'on nous signale. Malheureusement, c'est la vérité encore historique. La France n'est pas certes celle qui fait que nous n'arrivons pas à nous développer. Mais on dit que la France a une part de responsabilité dans cette situation. Nos autorités, nos dirigeants ont une part de responsabilité dans cette situation. Mais nous-mêmes, nous avons l'obligation morale de dénoncer cet impérialisme qui nous est imposé aussi. Nous n'avons peut-être pas la force. Elle n'a pas été imposée. Oui, elle a été imposée. Vous avez appelé la France. Non, Bonjour, bonjour, chers gourmets. Je vous souhaite la bienvenue à Saveur du Faso. Pour ce numéro, on revisite un classique pour le bonheur de vos papilles. Du taux de maïs à